Et qu'est-ce que tu penses des autorités italiennes, de Salvini, toute cette histoire? Tu connais Salvini? Je connais Salvini, mais des fois aussi, un côté, si tu as écouté ses discours, à un côté, il a un peu raison des fois. Il a un peu raison? Des fois, oui. Parce que on explique toujours qu'il veut qu'on partage. Allemagne prit son part, France prit son part, les autres pays prit son part. Mais on ne doit pas aussi les laisser tout. Tu vois, ça sera un peu. Il y a la crise mondiale partout. C'est difficile, c'est pas facile. Dis-moi une dernière chose. Cette histoire de. T'as été vendu comme esclave. T'as été vendu, il y avait combien de gens et c'est quelque chose de systématique là-bas? C'est systématique. C'est systématique. Parce qu'on avait, on était plus de 300 et quelques personnes. Donc c'est systématique. Puis tout, au Ben Walid, tout le monde sait Ben Walid, c'est ça. Le travail, c'est ça. C'est vendre les gens, prendre les noirs, vendre. Pas les noirs seulement, même les comment on dit, les égyptiens, les tunisiens, tout. On te casse dans une maison isolée. Voilà, c'est là-bas qu'on vous cache. On vient, on prend un, on vous fait rentrer sur l'autre chambre, il y a téléphone. Voilà, il y a des courants partout. Tu viens, on te dit, ah, calme maman, déroule le foulous. Par exemple, appelle ta maman, ou ton papa, tu amènes l'argent. Si tu ne fais pas ça, on va te frapper ici, on va te tuer.